Mes amis, soyez les bienvenus dans ce stream ou dans cette vidéo sur le développement du moteur Solarus. Aujourd'hui, je vais continuer un truc que j'ai commencé il y a quelques mois déjà, ou semaines, le développement d'une nouvelle, oh, le début d'une nouvelle API sur les sons. En particulier, on nous a demandé cette feature request. Alors, j'espère que ça s'affiche bien. La possibilité de stopper un effet sonore. Alors j'avais un petit peu commencé, il y a pas mal de refactoring à faire, donc j'ai continué le développement. Alors pour les nouveaux, ça va être du C++. Ça, on s'en fout. Ok. Alors j'avais commencé une branche et j'y ai pas touché depuis longtemps, donc je sais plus trop où j'en étais. Visiblement, ça compile même pas ce que j'avais committé la dernière fois. Donc déjà, on va corriger ce petit problème de compilation. Solarus core current quest. Je ne sais pas pourquoi il me le propose deux fois. Sûrement parce qu'il y a les headers qui sont installés. Donc il va falloir que je stocke les sons avec le resource provider un petit peu comme je fais pour les tilesets. Déjà je vais faire en sorte que ça compile. Alors le truc c'est que la classe son jusqu'à présent, elle existe bien mais elle a que des fonctions statiques. Donc il va falloir un petit peu... Enfin, ça merge de fonctions statiques et de vrais objets son quand même apparemment. Ok, ça compile. C'est déjà un bon début. Alors, donc on avait cette classe Resource Provider qui pour l'instant sert à récupérer les tilesets. Pourquoi ça retourne un tileset et pas un tileset PTR déjà? Faut que je fasse un peu pareil pour les sons. Je pense que si je fais juste classe sound. Pas besoin de faire le include là. J'ai plus besoin de share PTR. Tileset.
Je vais avoir besoin du include de taille 7 parce que comme c'est un shared PTR, il a besoin du destructeur sûrement. Audio, sound. Est-ce que vous voyez mon beau t-shirt Solarus là? Faut que je me recule un peu. Voilà. Peut-être un peu plus comme ça. Qui c'est qui appelle ce truc déjà? Personne. Il y a peut-être un bug dans le système de recherche là. Ok. A priori, on va faire pareil. Sound PTR. Hey, merci pour l'abonnement, Quizibou. Félicitations pour les 2 ans. 24 mois par un rapide calcul, ça doit faire 2 ans. GG. Merci encore pour tout ce soutien. Par contre, je ne sais plus écrire cache. Alors, sound PTR, il faut sûrement inclure sound PTR. Qui est juste un alias de std shared PTR sound. On pourrait faire pareil pour les sons, mais on verra plus tard. On peut pas s'abonner avec Prime sur la tablette. Ouais, c'est très mal foutu. Quand on est en version mobile, apparemment c'est pas le même système d'abonnement, c'est même pas le même prix non plus. C'est trop bizarre. Une fois, je m'étais abonné à quelqu'un depuis la version Android sur mon téléphone. Et puis, je pouvais pas me désabonner de cette personne depuis mon ordi. Parce que je voulais pas prolonger l'abonnement. J'ai pas pu me désabonner depuis mon ordi, j'ai pu me désabonner que depuis le téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait de classe taille 7 PTR, mais bon. Bon bref, on va un peu copier-coller du code là. Pour l'instant, je ne prends pas encore en compte le fait que les sons peuvent être dépendants de la langue. Make shared sound.
J'aurais limite pu faire du rechercher remplacer. Remplacer le mot typeset par sound, ça aurait marché. Sauf qu'il n'y a pas de load ici. Enfin, je pense. Qui a besoin de ça? Game.cpp. On va appeler plus tard pour les languages. Ah, merci, imaginaire. Zelda ROTH, ça fait longtemps ça. Hein, la taxe Google et Apple qui passent par là. Ah ouais, peut-être, c'est pour ça que c'est plus cher. Ok, alors quand on construit un son, on a donc un constructeur qui prend un sound ID. Qui fait rien du tout. Presque rien. C'est que quand on appelle la fonction start. Ah, il y a aussi une fonction load quand même. FileName. Ok. Donc il y a quand même une fonction load. Par exemple, quand on fait soundplay avec la fonction statique, il fait quoi exactement? Ah, on a un tableau, on a une structure all sound. D'accord. Et donc on a cette fonction start qui va appeler sûrement load la première fois. Mais que la première fois, effectivement. Je pense qu'on va vraiment faire la même chose que là. On va faire du load. Sound load. Il y aura des updates à appeler apparemment aussi. En tout cas, le all sounds, du coup, il va disparaître. Il y a plusieurs sources qui peuvent jouer le même son là.
Ouais, donc en gros, tout ce code-là, il va être fait maintenant dans Resource Provider, il est fait dans un thread à part. Donc, ouais, on va enlever ça. On va enlever donc ça. Load all, ça disparaît. Du coup, je vais faire pareil là. Alors, tileset ID. Alors, on demande aux ressources database tous les sons. Vecteur de sound PTR. Sound ID et on a un sound PTR. On le met dans le sound cache. Donc là c'est, on n'est pas encore dans le thread là. Et là, on est dans le thread. Du coup, est-ce qu'on crée un thread supplémentaire pour les sons? Peut-être que oui. Ou alors on fait le même thread, mais on fait les sons d'abord parce que les sons on en a besoin avant. Cher PTR Sound. De toute façon, c'est un thread à part. Ouais, donc j'ai bien mis un lock pour être sûr qu'on va pas le charger deux fois. Faut que je fasse pareil pour les sons, en fait.
Probablement faire ça aussi pour les sons. Je pense que j'ai besoin du booléen aussi, parce que si jamais le chargement échoue, il faut quand même se souvenir qu'on a essayé de le charger pour pas réessayer perpétuellement. Fonction play, il va falloir la réimplémenter en utilisant le resource provider justement. Oui, je stream en français. Salut, Akadrim. Il est passé où le load? Faire une fonction isLoaded. Alors, il faut sûrement inclure Mutex. Donc là, l'idée c'est que si je tente de charger le son, la même instance de son dans le thread à part et dans le thread principal, il y en a qu'un des deux qui va le faire. L'autre va rester bloqué là. Et quand celui qui a fait le travail aura fini cette fonction, le deuxième, cette fois-ci, va retourner ici. Donc on va mettre isLoaded égale true. Loaded. Ça. Donc cette fonction play, il faut qu'elle fasse Source provider. Non, j'ai pas de release date pour 1.7 encore. Get sound, sound ID.
Par contre, qu'est-ce qui se passe s'il n'existe pas? En fait, il existe forcément parce qu'on va le créer. C'est juste que s'il trouve pas le fichier, ça affichera une erreur. Fait, ça retourne une référence sound. Pourquoi ça lui plaît pas cette expression? C'est pas comme ça qu'on utilise le resource provider. Et merci pour le follow, Jim Bauer 750, bienvenue. Donc, n'y a pas vraiment d'accès statique possible là. Il faudrait que j'ai accès à la main loop. Alors les gens qui appellent SoundPlay, ils ont tous normalement accès à la main loop. Mais bon, ça va faire beaucoup de refactoring. Il y a aussi ce perf counter là que je voudrais garder du coup peut-être. Je sais ce que je vais faire peut-être. Dans un premier temps, je vais... Merde. Demander aux appelants de cette fonction de me passer le resource provider. Super commentaire, je sais. Je pense que c'est provisoire ça. Mettre Solaris API devant le nom de la classe, c'est utile sous Windows. Sous Windows, ça fait les DLL export ou DLL import nécessaires. Sinon, tu peux pas utiliser des bibliothèques dynamiques. Tu peux pas utiliser Solaris comme une bibliothèque dynamique. Bon, les timers, je sais même pas s'ils ont accès à la main loop.
Voilà, dans les toutes les entités, c'est pas un problème. D'ailleurs, getGames, ça renvoie un... Pourquoi il dit ça? Member access to incomplete type game. Après, idéalement, le moteur, il devrait même pas jouer des sons de façon implicite. Ça devrait être géré et décidé par la quête. Alors, je dois faire un get game ou getMainLoop.playSound, quelque chose comme ça serait mieux. De toute façon, les trucs statiques, c'est le mal. Ah oui, alors là, je suis dans la classe Enemy, donc il y en a plein. Entity, on a. Hookshot, ça c'est une classe qui devrait même plus exister. Pickable. Ben, par exemple, la CAD Dream, imaginons que l'objet game était statique. C'est-à-dire que tout le code de Solarus supposerait qu'il n'y a qu'une seule partie en cours. Ce qui est vrai. Sauf, en gros, jusqu'au jour où tu as envie d'étendre le moteur pour faire du multi, par exemple. Pourquoi pas, il y aurait plusieurs parties en même temps. Pareil pour les maps, t'as qu'une seule map active à la fois. Et t'as qu'un seul héros qui se promène. Mais en fait non, parce que bientôt tu pourras avoir plusieurs héros qui se promènent sur plusieurs maps en même temps, dans la même partie. Et tout ça, ça serait... Ça serait pas possible à implémenter si tout était statique. Donc, c'est pour ça. Attendez, je suis dans Hero Sprite. Alors, j'ai accès à quoi depuis là? Get Game.
beaucoup quand même. Bon, j'ai bientôt fini, mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Swimming state, sort loading state. Alors, get main loop. Salut Mad Games. Salut Zacharis Kiru Show. Et merci pour le follow Kiru Show. Ouais, mais c'est ça que je dis à Kadrim. Souvent, tu pars du principe qu'un singleton, c'est un singleton jusqu'au jour où en fait ça ne l'est plus et t'en veux plusieurs. Donc il n'y a pas de singleton dans Solarus. Il y a une classe main loop. Et puis tout ce qui serait les singletons, bah, c'est des membres de la classe main loop. Donc c'est plus évolutif. Je suis d'accord que du coup c'est plus pénible quand quand j'ai besoin d'accéder à par exemple aux features de son depuis n'importe où. Mais ça c'est parce que le design de base était mauvais, parce que justement les sons avaient été conçus comme un singleton alors qu'ils auraient pas dû. Ouais, Zachary, je suis en train de faire du changement pour coder ça, la possibilité de stopper un effet sonore. Alors, je vais le faire plus proprement depuis ici, en fait. Source provider. Qu'est-ce qui râle? Qu'est-ce qui lui va pas? Main loop, lui a compté ce get main loop. Bah quoi? Chest. Un singleton, c'est un objet qui est unique dans toute l'application. Donc j'essaye de pas supposer qu'il y ait des objets qui soient uniques, par exemple. Comme je disais, le héros, on peut partir du principe qu'il n'y a qu'un seul héros, et c'est le cas dans Solarus. Mais justement, on voudrait un jour se laisser la possibilité qu'il y en ait plusieurs. Donc si on a 1000 classes qui font toutes des accès statiques au héros global, le jour où on veut implémenter du support de multiplayer, on doit changer ces 1000 classes. Alors. Et justement, dans ce que je dis, c'est sérieux parce que dans Solarus 1.7, il y aura ce genre de truc. On pourra avoir plusieurs héros. Call to non-static member function without an object argument. Ah oui, parce qu'en fait je suis dans une fonction statique. ça marche comme ça.
c'est get main state maintenant. Get current state. Le truc c'est que ça a changé, c'est plus comme ça qu'on fait. On a tous les événements. Comment on accède à ça? C'est ça ma question. Avant, il y avait un get lua context. C'est juste. Je veux un contexte comme ça. Get resource provider. Get sound. C'est pas comme ça que je suis censé faire. Mais là, je parle dans une fonction statique. Faut juste que je trouve un exemple de fonction statique et trouver. Ah, c'est juste get. Oh, ok. J'aurais jamais trouvé une fonction qui s'appelle get tout seul. Il faut que j'appelle tout simplement get. Du coup, on n'y comprend plus rien. Ah oui, donc preload sound, lui, il va être
deprecated. Tant que j'y suis, on va reformater les commentaires. Alors, comment on fait pour faire du deprecated déjà? Sol.audio.preloadSounds et là il y a un petit message d'explication. En gros, la fonction ne sert plus à rien parce que maintenant c'est fait automatiquement dans un thread à part. Donc le seul truc, c'est que on est censé rester compatible avec Solaris 1.6 et 1.5, mais le fait de charger les sons dans un thread à part, ça peut rien casser pour les quêtes Solaris 1.6 et 1.5. Donc c'est pas grave si elle fait plus rien. Seulement, on va afficher le warning que pour les quêtes plus anciennes. Non, on va afficher le warning quoi qu'il arrive. Dès qu'on appelle cette fonction. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, j'ai encore un problème avec les timers. Je sais que les timers, ils peuvent pas compiler pour l'instant. Permission de denied, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Error opening build log. Permission denied. J'arrive plus à compiler. Apparemment, faut que je relance Qt Creator. Mais le problème, c'est que j'ai le même problème dans la console. Non mais en fait je vais pas compiler Solaris Quest Editor, je vais compiler que celui-là. Je sais pas où il est le fameux build log là.
Ah, c'est un fichier caché. Point ninja log. Ok, on va enlever le point ninja log. Ok, c'est bon. C'est reparti. Ça compile. Donc ouais, je sais déjà que ça va pas compiler dans timer. Parce que là, il me reste des accès statiques. Timer.cpp, ouais, normal. Donc en gros, les timers vont avoir besoin de se souvenir de la main loop. Sauf que attendez, parce que je suis dans Exportable to Lua, est-ce que eux ils l'ont pas déjà? Ah, je peux faire get Lua context. Ok, donc c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Encore une fois, ça je sais que c'est un peu pénible, mais j'ose espérer que c'est provisoire. Ah, main loop aussi a besoin. Mad Games, quelqu'un s'y connaît en terminal Linux? Lancer une ligne de commande en arrière-plan. Si j'ai bien compris ta question, il faut ajouter une éperluette à la fin de ta ligne de commande pour qu'elle se lance en arrière-plan et pour que tu récupères ton terminal. Get game, lui, il n'y a pas le game non plus. Bon, play sound, c'est pas const. Ah oui, si tu fermes le terminal, il... Oui, ça ferme quand même la commande. C'est quel genre de commande que tu as besoin de garder comme ça? Bow state invalid use incomplete class game. Solaris score game. Un serveur WebSocket PHP. Quand tu lances pour lancer un serveur sous Linux, généralement faut utiliser la commande. Ça dépend de la distribution Linux, mais t'as genre la commande service qui permet de lancer bah, un service comme son nom l'indique.
C'est un peu la même erreur à chaque fois. À chaque fois, il faut que j'inclue le header de game. Vous voyez, on fait des gros efforts. On se force à ne pas faire de trucs statiques. Stairs. Ça reste des chers PTR de. Alors, stairs qui sera plus const. Désolé. Ah, t'as une commande pour faire ça. No up. Ok, je connaissais pas. Alors, donc du coup, alors, qui c'est qui construit un stairs states? No declaration of bla bla bla. Ah oui, c'est juste ça. Ah, visiblement j'en ai oublié. Là, je suis dans le UA context, donc j'ai déjà accès à getMainLoop.getResourceProvider. Attention, attention, je suis dans la classe statique, là. Il faut que je fasse get.getMainLoop. Ok, je crois qu'on progresse un peu. C'est toujours cette histoire de const. Get stairs overlapping, j'espère qu'il n'est pas const. Bien sûr, il est const. Get entities by type. Ok, j'ai des versions const et des versions pas const, donc ça c'est bien. Donc on va essayer d'enlever le const ici aussi.
Donc là, pour l'instant, par rapport à cette issue que je suis en train d'implémenter, j'ai ajouté donc un type son côté Lua, mais j'ai pas encore implémenté la fonction SoundStop. Encore là. Alors, je suis dans Entity API, donc get mainloop.get resource provider. Sauf que non. Je fasse lui à contexte.ça. Ça serait bien de mettre la fonction playSound dans main loop directement, je pense. Au lieu de devoir trimballer le resource provider dans tous les appels. Ok. Ouh, ça compile. Vais committer. Tiens, je vais peut-être lancer les tests unitaires, voir si j'ai des crashs. Ça serait pas très étonnant. Ok, j'en ai pas un qui passe. Previous audio error was not cleaned. Ah ouais, mais alors là, ça va être chiant. De charger les sons dans un thread parce que OpenAL, ça va pas trop lui plaire. Peut-être. Essayer de désactiver ça pour l'instant.
Ah, là ça passe. Alors je pense que le problème c'est sûrement que j'appelle ça beaucoup trop tôt. Peut-être avant l'initialisation du son. Alors qui appelle ce truc? Main loop. Non, on initialise le son là. Sound initialize. Machin, machin, machin. Donc ça, c'est bon. Et beaucoup plus tard seulement, on commence à charger les ressources. Preload resources. En fait, j'ai oublié de vous montrer. Il me dit Previous audio error was not cleaned. Donc il y a dû avoir une erreur quelque part. Mais moi j'en ai pas qui s'affiche justement. Quarante mille neuf cent soixante-quatre. Faudrait sûrement convertir ça en hexa pour savoir ce que ça fait, ce que c'est l'erreur. AL enum, c'est int, ouais. Comment on fait déjà? C'est std. Si c'est ça, il n'y a pas de parenthèse. A004. Invalid operation. Ouais. Super.
qu'il y a eu une invalid operation avant, mais on ne sait pas quand. Le truc, c'est que j'ai pas fait grand chose avant. Hein. J'ai juste fait initialize. Ce truc-là, ça a l'air crade aussi. En fait, il y a peut-être une fonction pour avoir un message d'erreur version string, maintenant que j'y pense, non? Donc là, il n'y a pas eu d'erreur. Est-ce qu'on a appelé par hasard les sound update et tout avant? Ça m'étonnerait. Juste pour essayer. J'attends que le thread se finisse avant de passer à la suite, juste pour voir. Non, ça dit la même chose. Ah, c'est peut-être pas le premier son en fait qui échoue. C'est peut-être pas le premier son. Pas de get ID. Lol. Ok. Mais non. Get ID. Terms the ID of this sound. Const.
Du coup, je sais pas comment ça marchait avant, en fait. Je sais pas pourquoi ça marchait avant. Si j'ai un des sons de la quête qui n'existe pas ou qui arrive pas à se charger. Bon, ok, on dirait que ça foire dès le premier quand même. Je fais absolument aucun appel OpenAI ici. Je commence juste directement par celui-là pour vérifier que les appels avant ont pas laissé un état crade. Je pense pas que le update était appelé ici, c'est pas possible normalement. C'est appelé par la main loop ça, non? System update. Façon, moi j'ai déjà testé, même si j'attends que le thread se finisse. Ça foire encore, donc c'est pas une histoire de multithread. On peut encore tester comme ça pour être vraiment vraiment sûr. Là, je préload tout dans le thread principal maintenant. Normalement, à ce moment-là, le son est déjà initialisé, ça devrait marcher. Je sais pas trop pourquoi ça foire. Je reviens dans main loop. Je fais system initialize qui fait entre autres sound initialize. À la fin de sound initialize, je vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc celle-là, on l'aurait vu s'il y en avait eu une erreur. Donc à ce moment-là, l'état il est propre. Afin de sound initialize. Après input event random video font resource sprite. Tout ça va pas toucher au son. Current quest initialize, load quest properties, load surface. Resource provider. J'essaie juste ici pour débugger.
Je vois pas qui aurait appelé entre sound initialize et ici qui aurait appelé des fonctions OpenAL, mais on va vérifier. Ok, donc là on a l'erreur. Donc maintenant on va essayer là. Est-ce que ça serait pas la quête qui veut déjà essayer de jouer un son? Je pense pas, mais. Normalement non. Donc ici j'ai encore l'erreur. Pardon. System initialize. OpenAL error A004 juste après sound initialize. Sound initialize, ça finit littéralement par exactement le même code. Par contre là, ça se produit pas. Ou alors j'ai rêvé. Debug error machin. Il y a un return ici. C'est ça le truc. Mais c'est pas celui-là, c'est celui-là en fait. On est dans les tests unitaires, donc il n'y a juste pas de son. C'est pour ça qu'on n'a pas détecté. Ce code n'a pas été appelé. Ok. Très bien. Is initialized, ça répond initialized. Donc on a sûrement du code. Ah. Attendez. Sound play. On devait sûrement avoir du code qui ignorait, non?
j'ai supprimé ça par erreur. On faisait sound.start, mais on faisait pas sound.load. C'est subtil. Sound.start, quand le système de son n'est pas initialisé, ça n'a aucun effet. Voilà, ça fait silencieusement rien du tout en fait. Return success. Donc déjà, on va devoir 15 niveaux d'imbrication. Return false. La variable success a échangé que là. C'est pareil pour le load en fait, il faut que le load soit une opération qui fasse rien quand on a demandé de désactiver les sons. Du coup, resource provider, le thread là il va rien faire du tout quoi. On va le réactiver. Pourquoi on voit pas ton stream? De quoi vous voyez pas mon stream? Non, mais pourquoi on voit pas le Zelda là? Mais là, je fais pas. Il n'y a pas de Zelda à voir dans ce stream, c'est que du code. Presque. C'est pour ça que c'est pas le stream le plus intéressant pour toi. Oh, moi, je sais bien. Ok. Le test passe. On va voir si tous les tests passent. Petit passion. Magnifique. Je vais emmener ma libellule. J'aurais pu les lancer en parallèle les tests pour aller un peu plus vite. Je vais commiter ça pendant ce temps. Attends, Estelle. Ah non, il y en a qui ont raté quand même. Non, je pense que c'est juste parce que j'ai recompilé entre temps là. Hey, papa, regarde ton VPN ici. Je voudrais. Oui. Voilà. Et papa, regarde, petite toile, tu peux le laisser ici? Oui, tu peux le laisser ici.
Il est très beau. Alors comme ça? Ou comme ça à l'envers? Mais non, pas à l'envers. Si, c'est plutôt loin à l'envers. Non. Et papa? T'as vu? Ou si j'ai plutôt loin à l'envers? Ah oui, tu as fait un papillon? Non, une libellule. Oui, j'ai fait un papillon. C'est une libellule. Papa, regarde comment je fais voler mon petit oiseau. Et papa, regarde comment je fais voler mon petit oiseau. T'as vu, papa? Oui, j'ai vu. Allez, tu fermes la porte, s'il te plaît. Papa, bichou. Un petit oiseau, on peut le mettre comme ça. Si tu veux. Ou comme ça. Ou comme ça. Alors maintenant, je vais tester si les sons continuent à marcher dans les jeux normaux. Tiens, on va lancer Zelda OLB, pourquoi pas. Tu fermes la porte, s'il te plaît. J'entends bien le son du curseur. Je vais lancer un jeu que je connais mieux pour être vraiment sûr que j'entends bien tous les sons qu'il faut. Oh, ça bug l'affichage là, non? Problème d'affichage. En tout cas, niveau son, tout est ok. Donc c'est bien. Non, c'est pas comme ça. Je voudrais juste trouver un son assez long, et celui-là qui est un peu long, World Warp, pour pouvoir tester le fait d'interrompre un son. Buzzkilled, ça marche aussi. Je croyais qu'il y en avait un méga long, mais en fait c'est une musique à la fin des donjons. World Warp, il est déjà long. Ok, mais il est un peu faible, mais ça marche en tout cas. Buzzkilled, il est long aussi. Par contre, si je ferme et que je rouvre le jeu, il me semble que la console n'a pas d'historique. J'ai plutôt testé dans un autre jeu alors. Un jeu légèrement plus récent.
Play sound. Ghost killed. Ouais, c'est le même son. La différence. Oui, c'est belle ta libellule. La différence. Qu'est-ce qui a changé? Le fil. Ah. Alors, je teste la nouvelle API. Ah, mais par contre, la quête, elle est que 1.6. C'est pour ça que sol.sound n'existe pas. Dev de l'éditeur ninja install bon, si c'est juste pour convertir Xedo en format 1.7, je peux le faire depuis là, mais bon. Ça va être 1.2.0. Upgrade to Solaris 1.7. Je compile l'éditeur en version 1.7. Comme ça, je vais ouvrir le jeu dans l'éditeur 1.7. Ça va me convertir le jeu à 1.7. Même si en fait ça va juste faire le tout petit changement dans quest.date. Ça va juste changer ça. Long à compiler. Ouais, Zacharis, faut qu'on se remette à OLB. Et moi, faut que je me remette à Children of Solaris aussi. J'hésitais entre streamer cet après-midi du mapping de Children of Solaris ou alors du développement de Solaris. Ah oui, alors attendez, oula. J'ai oublié ce détail qui tue. C'est que l'éditeur aussi, lui, joue des jeux. Il joue des sons. Donc en vrai, il faut qu'on soit capable de jouer un son en dehors de la main loop et en dehors du resource provider. Children of Solaris, c'est un remake de ZSDX, de Zelda Mystery of Solaris, mais sans Zelda, sans graphisme Zelda. Ouais, du coup, on est un peu dans la merde là.
Ou alors je peux créer le son dans l'éditeur sans passer par le resource provider, puis c'est tout. Il faut que je change un peu le code de l'éditeur. Ils ont pas fermé la porte. Et du coup, ouais, j'avais pas du tout pensé à l'éditeur, mais ça veut dire que dans l'éditeur, on va rejouer le son à chaque fois. Il faudrait qu'il y ait un cache du côté éditeur. Je pense qu'il faut que je fasse un sound BTR du coup. Je sais pas si ça va marcher. Je stocke une liste de sons, c'est juste directement des pointeurs. Update timer start. Alors il fait quoi lui? Il fait ah et donc il y a ah il appelle Solaris Sound Update. Ok. Ça serait peut-être plus simple que ce soit les sounds PTR ici. Est-ce que j'ai déjà essayé de speedrunner le remake de X-Machine? Non. J'ai déjà regardé des speedruns par contre. Non, j'ai fait un truc plus simple dans l'éditeur pour l'instant. Pourquoi j'ai Open Quest et Closed Quest qui sont dans audio.cpp?
Bon, faut que je les stocke ici parce que si je les stocke pas, je peux pas m'en sortir. Qmap. Ça. Son ID c'est un Q-string. Peut-être faire l'inverse plutôt. Plus tard, l'histoire de l'angle. Donc du coup c'est bon, là, j'ai stocké mes sons quelque part, donc ils vont pas se détruire. Et après juste à faire sound play, enfin start. Le load à cet endroit-là. Je sais pas du tout si ça va marcher. Ça risque de crasher les trucs comme ça parce que. Parce que maintenant les sons ils appartiennent au contexte de l'UA si vous voulez. Sauf que là je les utilise hors l'UA, j'utilise depuis l'éditeur. Donc ça va être un peu bizarre. Alors je lance l'éditeur. Ok, ça c'est ce que je voulais. Sauf qu'en fait je sais pas quel cat il est en train d'ouvrir, Children of Solaris. Ok. C'est pas très grave d'avoir updaté Children of Solaris. Dans quelle branche là? Je suis dans Max Overworld. Ok, bon, je vais quand même rouvrir XD2. J'arrive à entendre des sons. Je vais quand même annuler ce truc parce que je n'ai pas le moment de faire du Children of Solaris. Ah oui, alors attendez, parce que si j'upgrade la version de Solaris,
stress. Je vais aussi... Il n'a pas rouvert la quête. Point 2.0 en développement. Ok, donc c'est bon. Ok, donc revenons-en à là. Ce que je voulais tester, c'est que dans le jeu, on puisse faire. Non seulement on peut faire sol.audio.playsound, qui est l'ancienne façon de faire, et la nouvelle façon de faire, c'est de créer un objet son, et ça crache. Au moins, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on est en debug ? Type. Oui, tout à fait. Alors par contre, quand je lance en debug, il faut que j'enlève un bout de code qui nous embête à chaque fois. Un jour, il faudra que je m'occupe de ce petit problème. C'est quoi cette fonction isKnownToLua? isKnownToLua, what est-ce qu'il a été exporté vers du Lua? J'ai dû oublier de faire une étape quand j'ai créé le type. Push user data. Ah, if not is known to Lua, set known to Lua, true. Ok, mais on a this qui est nul en fait. Il y a un petit problème. User data, c'est une nulle référence. Donc push sound. Sound péter. Super. J'avais vraiment besoin du debugger pour trouver ça. Évidemment, j'ai commenté tout le code. Je passe un pointeur nul, je déréférence explicitement un pointeur nul. Bien joué, Christopho. Bien joué, bien joué. Attendez, j'ai enlevé trop de trucs. Alors, resource provider.
mais c'est super long à écrire ce truc quand même. get.getMailloop.getResourceProvider. Par contre, too many arguments parce que language spécifique, je l'ai pas encore codé ce truc là. Mais en gros, c'est la même idée que dans les surfaces. C'est vrai que j'aurais pu faire un constructeur comme ça qui est autour d'un shared PTR pour forcer l'utilisation du shared PTR. Il est passé au lieu de language spécifique. Ah oui, c'est bizarre ce truc. Par défaut, ce truc-là va être faux. Faudrait juste que j'enlève le warning là. Parce que pour l'instant je vais pas le coder. Bon, je vais faire comme ça. Du coup là ce serait sound.start plutôt.
je verrai ça plus tard. Et sound.stop, par contre, ça, j'ai pas encore codé. Ça y est, donc là j'ai créé mon son. Game expected good sound. D'ailleurs, faut que j'appelle comment play ou alors start. Ouais, c'est play logiquement. Alors, ma fonction son check sound. Elle s'est trompée, il faut qu'elle fasse sound module name. Mais les graphismes ils bug complètement. Je crois qu'on a corrigé ce bug. Enfin bref. Ok, ça marche. Et donc si j'appelle plusieurs fois play sur le même son, alors qu'il est déjà en train de se jouer. Je dirais que ça le recommence à zéro. Et ça l'interrompt et ça le recommence. Attends, je réfléchisse à est-ce que c'est vraiment le comportement qu'on veut. Et donc le stop, c'est lui qui nous intéresse surtout. Il faut... Tu entends se superposer ? Pas moi. On vérifiera, on vérifiera. Ça a l'air crade ce truc. On a un machin sources qui retient toutes les sources. Currently playing this sound. Decode file, on s'en fout. Sources.pushback source. Une nouvelle source à chaque fois qu'on joue le son. Parce qu'en fait, pour coder le stop, il faut que je comprenne si vraiment c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on entend plusieurs fois le son ou non ? D'après le code, j'ai l'impression qu'on devrait l'entendre plusieurs fois. On devrait entendre se superposer.
Ouais, t'as raison, on l'entend plusieurs fois. Même si c'est la même instance, on l'entend plusieurs fois. Pas sûr que c'est ce qu'on veuille, mais... What if the sound is already playing? Donc vu l'implémentation actuelle de ça, si on fait stop, bah ça va stopper toutes les occurrences du son, de cet objet son. Donc toutes les sources ici en fait. Ce qui veut dire que ça devrait être assez facile. Est-ce qu'il y a une fonction genre AL source stop? Bien sûr que oui. Je pense que c'est juste ça qu'il faut faire. Il faut peut-être quand même nettoyer cette structure sources. Ce qui se passe en fait quand le son est terminé, quand est-ce qu'on le détecte? Quand est-ce qu'on nettoie ça? Ah, ok, alors. See if the sound is still playing. On garde le state de chacune des sources. Non, que de la première. Si elle n'est plus en train de se jouer, on fait pop front, on l'enlève. Et on la delete. Je vais quand même le faire dans le code du stop. Je vais pas attendre le prochain update. Donc là on la détache du buffer et après on la supprime. Donc c'est ça qu'il faut que je fasse pour toutes les sources. Je pense que c'est ça.
Ouais, je suis d'accord. Peut-être qu'on devrait interrompre à la même instance si on rappelle start sur la même. Enfin, quoi que. Ah, il y a peut-être un problème dans ce que j'ai fait quand même. Que dans son API, quand on fait create, il le crée pas vraiment en fait. Il va retourner toujours le même s'il l'a déjà chargé avant. Donc ça c'est pas trop bien parce que du coup si on joue plusieurs fois le même son, on peut pas contrôler lequel on arrête. Il faudrait que je retourne une nouvelle instance, mais que quand même le son soit chargé qu'une seule fois. Les données du son soient chargées qu'une seule fois. Bon du coup ça sera une amélioration pour la prochaine fois. Donc ici ça devra changer. Du coup, je pense qu'il faudra quand même deux classes différentes. Une pour les données du son chargées en mémoire et qui reste chargée une seule fois. Et puis une pour l'objet son en train d'être joué, quoi. Donc ça va sûrement rechanger du coup. Alors le load, attendez, je vais voir le load ce qu'il fait exactement. Il fait juste un decode file, donc c'est lui qui fait le travail. Je suppose qu'on crée un buffer.
marche. Le seul truc, c'est... Le seul problème, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si je fais... Si je crée un deuxième objet du même son, en fait, S égale S2. Alors que ça devrait pas. Ça devrait me créer deux objets différents et on pourrait jouer l'un, jouer l'autre, interrompre l'un, interrompre l'autre indépendamment. Pour l'instant, on peut pas. Donc ça sera la prochaine amélioration à faire. Peut-être que mon resource provider, au lieu de retourner un objet son, il devrait retourner un buffer OpenAL ou un truc comme ça. Donc je vais encore avoir un petit refactoring à faire. Bon, on génère un buffer OpenAL, on lui file les données décodées. Ouais, c'est ça, l'idée c'est que les multiples instances du son, elles vont toutes utiliser le même buffer. Mais chacune sera une propre source. Il faudra quand même que ça marche encore dans l'éditeur. C'est un vrai casse-tête. Mais bon, c'est bien, ça commence à marcher. Exactement, sound stop. Ah merde, j'ai commité dans dev ici. J'aurais commité dans faire une branche audio API du côté de l'éditeur. Voilà. Bon, bah c'est cool, en tout cas ça progresse. Je comprends un peu mieux ce qu'il faut faire maintenant. Je vais m'arrêter pour le moment. Ce qui restera à faire, voilà, c'est comme je disais, mieux gérer le fait qu'on puisse avoir plusieurs instances du même son et ajouter le support pour les sons par langue, un petit peu comme on fait pour les surfaces. Ça ne devrait pas être trop dur, j'espère. Voilà, et ben merci d'avoir suivi ce stream. Et on se retrouve très bientôt. C'était Christopho, et c'est tout pour le moment.